Eric Jean-Jean, ce séduisant grand brun de 43 ans, se montre sur son site jean2.com, affalé sur son canapé, mal rasé, guitare électrique à la main, rock and roll. En vrai spécialiste de la musique, il a déjà interviewé Paul McCartney, Mick Jagger, Madonna, Johnny Hallyday et j'en passe. Diplômé des Sciences Po, titulaire d'une licence de lettres modernes, il débute sa carrière d'animateur radio en 88 sur 8 FM Bordeaux. Repéré par Énergie en 91, on lui confie rapidement les chroniques People et les tranches importantes de la station. Aujourd'hui, Eric Jean-Jean anime sur RTL depuis près de 13 ans. Le grand studio RTL. Présenté par Eric Jean-Jean. Salut à tous, bon après-midi sur RTL. Le grand Eric Jean-Jean pour le grand studio RTL, mais aussi une heure avec, ma liste préférée, concert d'un soir. Et attention, une toute nouvelle émission qui commence demain, Tous les goûts sont permis, où Eric Jean-Jean met la musique made in France à l'honneur. Une carrière radiophonique complète, mais aussi un animateur télé. Et Eric Jean-Jean a présenté beaucoup d'émissions. 50 ans de tube avec Jean-Pierre Foucault sur TF1, le grand concert du 14 juillet sur France 2, sans oublier M6. Et c'est pas fini. Homme d'affaires, il dirige la société Moustique Audio Agency, avec laquelle il produit et présente en 2005 Voix sur Berge. D'ailleurs, peut-être avez-vous déjà reconnu le générique. En tout cas, il ne s'arrête plus et nous, on en veut encore. Merci d'être avec nous. Bah dis donc, merci, j'ai bien fait de venir. Ah ben voilà, mais ça nous fait plaisir, c'était un peu le but. Merci beaucoup, Marc. Groupe de pop rock originaire de Birmingham, créé en 1978. Je rencontre un gros succès aux États-Unis, au Canada, au Japon et en Italie. Je fais partie de la vague nouveau romantique associée à la New Wave des années 1980. Toc-toc. Non. Raté. Ouais. Je suis composé de 5 membres. En 2007, le magazine Billboard indique que j'ai vendu plus de 70 millions de disques dans le monde. Je suis... Je sais pas. Duran Duran. Ah putain. Alors Duran Duran, c'est, con, hein. C'est le groupe des années 80 avec la mèche et tout. Voilà, c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Ah, je suis con, elle a pas trouvé ça. En plus, grand amateur de rock. Hein? Vous êtes un grand amateur de rock. Ouais, mais Duran Duran, c'est pas du rock. Ouais, enfin, c'est un rock new wave un peu. Non, ça, c'est une new wave un peu pourrie des années 80. Bon, on va revenir plus de, enfin moins dans le rock. On continue. Personnage fictif de livre pour enfants, je suis créé par la romancière britannique. Oui. Voilà. Il est super fort, mais qui se fait tous oui, appris en musique. Voilà, c'est dingue. Hein. Ouais. Oui, oui, il a trouvé tout de suite. Duran Duran, c'était pas pareil. En tout cas, on continue. Je suis une île sous le en vent fait, de l'archipel. La vérité, j'ai détesté Duran Duran. C'est vrai. Ouais. Bon, eh ben, j'ai bien fait de le choisir, décidément. Ouais, j'ai non, beaucoup non, de chance. Tiens, tapé là. Non, non, mais t'as pas fait exprès. Je savais. On continue avec. Ah, ça va faire rêver. Je suis une île sous le vent de l'archipel de la Société en Polynésie française. Je suis situé à environ 260 km au nord-ouest de la capitale de Papeete. Forcément, c'est Bora Bora. Quand on aura fini cette émission, on part tous à Bora Bora se reposer. On l'aura bien mérité, je crois. et puis le dernier. Alors c'est le final. On peut le dire, c'est un double. Je suis un groupe français d'électro dance et de pop rock originaire de Nantes et Angers. Je forme en 2002. Pony Run. Voilà. Et ben moi je dis applaudissements parce que hormis une erreur sur le Duran, c'était pas si mal que ça. Couvert de ridicule sur Duran. Et la star de Bordeaux à l'époque, pour en revenir à ce que tu viens de citer, c'était Julien Courbet. Julien Courbet travaillait à Fun Radio pour moi, j'étais étudiant. J'écoutais ce mec et c'était très difficile de travailler. J'ai 3 ans de moins que Julien. Et c'était pour moi très difficile de travailler tellement j'avais de l'admiration pour lui. C'est-à-dire que je pense aujourd'hui que Julien Courbet est le plus grand animateur de radio de sa génération. D'accord. Je pense que de notre génération, il est plus vieux que moi, mais je pense que c'est le meilleur. Et j'ai parlé de ça avec Fabrice, animateur historique de RTL, même Bouvard, que Julien impressionne. Jamais je peux écouter ce gars-là. Et depuis 1988, donc imagine le temps. Jamais je peux écouter ce garçon sans me dire putain, il est bon. Tu sais, il fait un truc, il prend, il jette en l'air, ça rebondit, puis il fait une phrase, il parle français, et soudain il a la chute, et en plus il est drôle. Ouais, il est super talentueux. Et donc, pour revenir à ses souvenirs de radio en 1988, moi je faisais le 6-9 sur 8 FM, parce qu'à 9h je me taillais à la fac, et Julien faisait 9-13. Ouais. Et je me souviens avoir passé des longs moments à le regarder bosser. Et à l'époque, Julien, qui est très mauvais en technique, mais vraiment très mauvais. C'est une catastrophe. Et il faisait un truc, c'est-à-dire qu'il écrit des passes d'intervention, mais il y avait toujours une chute et une vanne. Il s'appelait Que fait la police à l'époque, son émission. Et Julien passait son temps, casque sur les oreilles, prêt écoute, à faire son intervention à blanc. Une fois, deux fois, trois fois. Et quand il était prêt,
il la faisait à l'antenne, sauf que des fois il se rendait pas compte que le disque était fini. Julien et la technique, ça a toujours été le problème. Et j'ai une dernière question, et là c'est vraiment personnel, c'est pour m'aider à mieux vous comprendre. Est-ce que c'est parce que vous avez grandi dans la région de Bordeaux que vous aimez le vin particulièrement, non, ou pas du tout? Non, mais alors pas. Est-ce que voilà, c'est. J'ai même te raconter un truc drôle si j'ai deux secondes. Mm-hmm. En fait, il s'avère que quand tu ouvres la fenêtre de ma chambre d'adolescent, qui est toujours ma chambre quand je vais chez mes parents, tu vois des vignes. Et mon père, qui est aujourd'hui conseiller général, enfin bref, fait de la politique, avant était patron de banque, et il avait au fond du jardin une vingtaine de rangs de vignes. Et tous les ans, il y avait la tradition des vendanges. Oui. C'est génial, les vendanges. Donc, il amenait ses 20 potes politiciens ou banquiers. Et il y avait 3 heures de vendanges. Et puis, on ramassait le vin. Et mon père faisait son vin. Il était super fier. Et c'est le vin le plus dégueulasse du monde. Et jusqu'à l'âge de 24, 25 ans, j'ai pas bu de vin. Parce que pour moi, c'était dégueulasse. Et je pense que j'ai commencé à aimer le vin il y a entre 10 et 15 ans. C'est-à-dire que je suis arrivé sur ma trentaine. Pour me mettre à aimer le vin et à découvrir. Moi, je suis de Bourg-sur-Gironde, donc il y a les Côtes de Bourg. Mais avant de boire un Côte de Bourg et d'aimer ça, je peux dire que j'ai mis des années. Donc non, c'est pas du tout à cause de la région. Au contraire, j'ai commencé à boire de l'alcool en arrivant à Paris, c'est-à-dire. D'accord. Donc en fait, mais je me suis rattrapé. Hein. Oula. Et du coup, le vin de Bordeaux, vous aimez bien quand même? Oui, j'adore. Mais c'est pas mon vin préféré. C'est pas mon vin préféré. D'accord, c'est non, je devrais jamais dire ça. C'est plutôt les vins du sud, en fait. Tu vois, je suis les vins de Perpignan. Il y a des trucs super. Et puis il y a aussi de l'autre côté les Châteauneufs du Pape, Côte Rôti. Voilà, je pense que le Côte Rôti est un des grands vins. Dès qu'on parle d'alcool, il y a le directeur d'antenne. Voilà. C'est bon. On va vous laisser entre vous si vous voulez. Moi, j'aime bien les vins qui ont vu un peu de soleil. Voilà. D'accord. Et donc, tu vois, à partir de la Côte Rôti, quand tu descends un peu vers le sud, ça me plaît.